Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode des Factorio Space Exploration. On va reprendre ce qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit saut au niveau de l'usine de traitement du pétrole où tout le monde est rempli. Donc là, normalement, on est pas mal. On a de quoi faire tourner la suite. On va partir du principe que c'est suffisant. On peut aussi tout de suite relancer un peu de recherche parce que pourquoi pas. Ouais, ça me demande un truc niveau 3. Ok, bon, de toute façon, on va en avoir besoin pour la fin, donc allons-y. Lançons le truc, de toute façon, ça va très vite. Et là, normalement, on est bien. On a à peu près réussi à tout recréer. Là, le pétrole lourd, c'est un poil léger, mais ça va. Le pétrole léger, ça se passe. On est pas mal de ce côté-là, malgré le fait qu'on soit en train de remplir ici. Je sais pas pourquoi ça tourne pas, c'est bizarre qu'il y ait que cette pompe là qui tourne et pas celle-là ni celle-là. C'est étrange, mais bon. Il se passe des choses. Ok, bon, maintenant la recherche elle est vite. Ok. Ici. Alors, bah, ça de toute façon on en aura besoin. Le truc c'est que ça demande de la science vers le niveau 4 et ça on va avoir des problèmes pour l'instant. Donc, on va déjà faire les autres recherches un peu basiques. Comme ça va nous permettre d'éparpiller un peu le problème. Et j'aimerais bien quand même aller résoudre cette histoire de vulcanite sur Ogdan. Parce que si on reprend, ici on est bloqué en grande partie parce qu'on n'a pas d'eau. Donc on aimerait bien livrer de l'eau. La question c'est que je sais pas trop à quel point on va pouvoir s'en sortir. Peut-être falloir se faire un vaisseau en plus. Le problème, c'est que là, ça va être pas pratique du tout. Du coup, on va peut-être créer un vaisseau, le faire retourner ici. Et après seulement repartir sur Ogdan. Ouais, ça va être un peu compliqué, mais bon. Ou alors, on part directement de la. De l'orbite, ça pourrait être une option aussi. Si jamais on se dit que on a donc on amène de l'eau en orbite via un vaisseau et qu'on a un autre vaisseau qui est capable d'amener l'eau, par exemple vers Ogdan, ça devrait coûter beaucoup moins de carburant en fait, parce qu'on n'aura pas, c'est surtout la sortie de novice qui coûte cher. Donc une option concrète, ce serait de faire un autre vaisseau à eau qui pourrait partir de novice et aller jusqu'à Ogdan. Mais alors là, je sais pas si ça va être jouable. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. On va pouvoir en plus faire les boucliers, et ça c'est plutôt cool. Ça coûte assez cher faire des boucliers, mais bon. Après, à terme, on pourra se permettre, je pense. On pourra essayer de jouer avec ça, mais bon. On verra après. D'abord, on va essayer d'aller donc réparer les problèmes qu'on a sur Ogdan. La seule question qu'on va voir, c'est est-ce qu'un vaisseau standard est capable d'aller jusque Ogdan? Et ça, j'en ai aucune idée. Du coup, on va tester. Hop, on est là. Est-ce que. Non, on n'a pas trop besoin de respirateur, donc ça c'est cool. D'ailleurs, ici, est-ce que le vaisseau est reparti? A priori, oui. Très bien. On va pouvoir commencer à aller chercher tout ce petit monde. Ici, on a embarqué plein de trucs. On va peut-être faire un peu le ménage dans la science qu'on embarque parce que on en fait peut-être beaucoup, mais. On va voir. Oui, on est allé dangereusement proche du. Enfin, on a même peut-être dépassé le plein, même, je suis en train de me dire, mais bon. C'est pas très grave, on va regarder un peu ce qui est plein, ce qui ne l'est pas. Tant qu'on y est, on va relancer la recherche, du coup. On peut finir un peu tout ça, comme ça, on sera tranquille. Allez. Au moins, il y aura de la place. Ok, donc clairement, science rouge, violette et vert, il va falloir se calmer parce que on en voit beaucoup trop. Alors, bon, déjà rouge, on va. Alors, déjà vert, on va baisser. Paf, paf, paf. Voilà.
Bon, violette, on avait déjà baissé, visiblement. Et rouge aussi. Et bleu. Ouais, peut-être un peu plus, mais pas trop non plus. Voilà. Comme ça, au moins, ça a le mérite de taper un peu. Et après, on a toujours le problème qu'on n'a plus de place pour décharger les pièces de fusée double. Et ça, c'est relou. Est-ce qu'on envoie toujours du charbon? Oui, a priori. Pendant ce temps-là, la recherche a déjà terminé. Ça va beaucoup trop vite. Ça, on peut le lancer, ça sera fait. Mange pas de pain. Hop. Est-ce qu'on envoie du charbon? Il me semble que oui, quand même. Ah, pour l'instant, non. Ok. Du coup, il faudra peut-être le refaire. Soyons fous. Hop. Voilà, comme ça, prochaine fois, on aura le stock. Bon, pour l'instant, on va pas s'embêter. On va juste le faire passer à la main, parce que pourquoi pas. Mais à terme, il faudra trouver une solution, parce que sinon, c'est relou. C'est bon, j'ai tout pris. Oui, j'ai tout pris. Pareil, les plateformes, c'est pas ouf, mais on va essayer quand même. Et du coup, bah, on va pouvoir replacer un vaisseau, je pense, hein, tout simplement. Ici, on a quoi, du coup, entre les deux? On a globalement un autre réservoir, non? On a 3, et ça fait 3. Ouais, ok, donc il faut laisser bien 3 au milieu. Donc là, il y a déjà 1. Et on va le marquer, les 3, comme ça, ce sera fait. Hop, voilà. Donc on a déjà 1, 2 et 3. Ça sera cool. Et ensuite on peut remettre un vaisseau liquide en orbite qui irait donc tout pile comme ça. Hein. Oups, déjà si on se cale là, donc là on est collé. 1, 2, 3. Voilà. Quelque chose comme ça. Un petit trou là. Ça déjà, ça devrait un peu nous aider. C'est marrant que les pinces arrivent à rester elles quand même en place. Ah bah non, visiblement il y a un loupé. Ah oui, parce que j'ai décalé tout d'un cran. Stop, 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 stop. Hop. Ce que je veux, c'est ça. C'est normal que ça soit décalé là ou comment ça se passe? Ouais, non, a priori c'est normal. Juste pas. On fait ça comme il faut. Ok, donc là on est bien aligné, on est d'accord. Ça va bien ensemble, oui. 1, 2, 3. Donc là, visiblement, le 3 ne marche pas. Donc il faudrait plutôt comme ça. Parce que là, c'est mieux. Et des fois, je suis quand même pas bien sûr de comprendre comment ça marche les pinces. J'ai un peu l'impression que c'est un peu aléatoire. Alors, soit je fais un truc très nul. Ouais, non, toujours pas. Ah, toujours pas non plus. C'est ça que je veux. Bon, bah, on va se remettre à droite. Alors, soit j'ai fait n'importe quoi. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, non, ça va là, merci. Hop, et ça n'a rien à faire là par contre. Hop. Voilà, donc on disait là on a aligné. Ah oui, non, mais j'ai fait n'importe quoi là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Hop, tout ça dégage. Et on reprend sereinement. Donc, ici on a aligné, ici on est collé. 1, 2, 3, normalement. Ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Ah, c'est parce que les pinces arrivent trop tôt, il n'y a pas le sol, du coup elles se font jarter automatiquement comme ça. Possible. Allez, c'est 2 minutes, voir ce que ça donne. A priori, les pinces marchent, c'est juste quand il n'y a pas le sol, elles se font un peu shooter comme si elles étaient mal placées, mais en fait ça va. En vrai, c'est pas un vrai problème. Ok, bon, on va
Attendre 2 minutes qu'ils finissent de placer le sol. Comme ça, on sera bien. Ça met un peu de temps à arriver, malgré la vitesse des robots, hein. Clairement. Peu compliqué. Ok, terminer les armures protectives, comme ça c'est fait. On va terminer aussi les boucliers. Voilà, on va, de toute façon, normalement, on a de quoi fermer pas mal de chemins de recherche. On n'aura plus qu'après le truc basé sur le Naqua truc là. Ça devrait bien se passer. Ok, a priori, on a à peu près tout. Je crois qu'on est pas trop mal. Il y a l'air d'avoir des petits trous dans le sol, visiblement, mais bon, c'est pas très grave. Ok. On va y aller. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui leur manque? Ok, il manque un robot pour voir très visiblement. Très bien. Oui, non, ça va pas marcher. Hop. Alors ici, d'abord et avant tout. On va s'assurer que ça soit bien changé. Donc, c'est plus que celle-là qui est à 12. Donc là maintenant c'est 13. Hop. Et ensuite, il va falloir adapter un peu tout ce petit monde. Ici, il n'y a pas encore les problèmes de branchement. Donc ça, c'est bon, a priori. Ici, on va remettre de l'eau, parce que c'est ce qu'on va vouloir. C'est juste qu'il va falloir inverser un peu le truc. Parce que là, on va vouloir emmener depuis l'orbite vers une autre planète. Mais bon, avant d'automatiser tout le truc, on va voir déjà que... est-ce qu'on a assez de place? Hop, on va pas s'embêter. On va faire ça. Ici. Pareil, on va faire ça, comme ça, on sera large. On va tout de suite mettre à remplir le carburant par contre, parce que sinon ça va mettre 15 ans à arriver, et ça va être compliqué. Hop, voilà. Ça va charger. Et on peut relancer une petite recherche. Du coup, là on a encore des trucs qu'on peut améliorer, donc allons-y. Où est-ce qu'on en est niveau carte là-bas? C'est bon, on a du stock, a priori ça vend encore du stock. C'est cool. Là, par contre, on commence à avoir moins de stock, mais bon. On va faire avec. Surtout, on va attendre que le carburant se remplisse, parce que c'est horriblement long. Est-ce qu'on voudrait pas booster un petit peu la production? Parce que sinon, ça va être compliqué. Ici, est-ce qu'on veut? On veut envoyer de l'eau, c'est sûr. Par contre, on va peut-être pas vouloir restocker autant. Bon, si, allez. On va dire qu'on va stocker autant. Soyons fous. Des grandeurs, on fait ce qu'on veut. Bon, ok, des vaisseaux qui font des allers-retours, visiblement. Mais non, là comme ça. Voilà, paf paf, et paf paf. Ok, donc là ça va permettre. Tac, tac. Non, je ne peux pas accéder à tout le monde. Ça comme ça, voilà, et ça comme ça. Là, en l'état, ça va remplir les réservoirs d'eau, ma foi, assez vite. Et il va falloir de toute façon que l'autre vaisseau fasse des allers-retours pour pouvoir compenser. Ça devrait pas trop être un problème. Ensuite, on va vouloir changer, donc là... réfléchissons 2 minutes. Cette heure-ci, ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc déjà là, ça. Paf, 13, c'est sûr. Donc là, on a Novice. Novice qui est le 406, hein, c'est ça. Tac. Novice. Non. Novice, c'est 405. 406, ça va être l'orbite de Novice, j'imagine. Ok, donc. Ce vaisseau-là, il est un peu inversé. Donc là, on va vouloir, quand on sera à 406, on va aller vers... Non, justement, on va inverser. Donc là, on sera sur 406 et on va vouloir pointer vers Ogdan. C'est ça que je voulais, c'est ça. Ogdan qui est... beaucoup. 1145, très bien. Alors on va mettre juste planète comme ça, hop. Ça c'est bon, et c'est celui-là, on veut 1145, je crois.
On est d'accord. Et là, du coup, bah, quand on est à 1145, paf, on va vouloir mettre. Il faut juste inverser tout ça, paf, paf. On va vouloir aller en 406 en orbite. Paf, paf, et 406. Voilà. Donc là, normalement, on devrait être pas mal. Donc là, il pointe bien vers le Ogden. Il nous dit que on a assez de d'énergie, visiblement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et tous les réservoirs sont pleins, donc, enfin, sauf le carburant. Ok, donc on a vraiment un problème de carburant. Ça va falloir aller adresser ce problème. Normalement, il ne devrait pas démarrer, donc ça, on est tranquille de ce côté-là. L'eau, forcément, c'est compliqué. Ici. Ouais, bon, on doit s'en sortir. Donc là, si jamais on voulait faire tourner ces deux machines à fond, il nous faut 2 par minute. Et ça produit 4. Ok, donc déjà, on peut faire 2 fois plus de machines qui produisent ici. Alors, ces machines-là n'arrivent pas à tourner à fond déjà. Ok. Donc déjà, si on veut faire tourner tout ça, il nous faut 40. Et ça produit 16. Ah oui, donc pas beaucoup. Ok, donc pour ça on va aller mettre des modules en plus, ça fera pas de mal. Ok, donc ça on peut toujours pas, donc on ne peut de toute façon mettre que des modules de vitesse. Donc on va tartiner, on va aller rechercher un petit peu. Et oui voilà, c'est là. C'est moi ou ça ne produit pas beaucoup là? Qu'est-ce qui leur va pas? C'est juste le nombre de modules en entrée. Ok, très bien. Ça se tient, bon ça il faudra en envoyer plus. La rigueur on va la régler tout de suite. Hop. Voilà. On a fini la truc qui traîne ici. Là ça c'est quoi? C'est du 4. Non c'est du 3 ça. Donc ça on pourrait techniquement le faire. Mais bon c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qui nous reste à faire qui n'est pas... Infini, ces trucs-là. Ouais, mais bof. Pas trop intéressé, pour être tout à fait honnête. L'artillerie, on s'en fiche un peu. À la limite, on peut mettre les lasers, ça mangera pas de pain. Ça fera dernière séance, pas infini par là. Et ici, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remettre les quelques petits modules de vitesse qui traînent. Tac. Histoire que là ça tourne au moins. Ok, il faudra toujours qu'on se fasse livrer du cuivre, ça n'a pas changé non plus. Ça, on peut les mettre là, ça va partir de toute façon j'imagine. Ok, donc là normalement on est très bien. Là, ça permet de produire combien? 54, donc un peu plus que ça. Ok. Bon, pour l'instant, on va laisser dans l'or. On va rester en l'état. Et on modulera un petit peu au fur et à mesure. À quel point? Parce que genre, si jamais on rajoute une machine de plus, ça nous emmène à quoi? Déjà, il va falloir en faire quelques-unes. Pour ça, il me manque des ingrédients. Hop là. C'était ici. Non, les moteurs ils sont par là-bas en fait. Hop! Voilà. Et c'est quoi l'autre? C'est du fer et de l'acier. Ah, j'ai plus d'acier, tiens. Encore une fois, ce n'est pas du tout un problème. On va se débrouiller. J'ai récupéré ma souris, t'as moyen de robot. Voilà, donc là, on devrait être pas trop mal. Et il me faut aussi du fer. Ok, tiens d'ailleurs on en est où côté stock de barils? Est-ce que ça baisse? Je ne me rappelle plus de là très bien à quel niveau on était tout à l'heure, mais dans l'absolu, 512 000, donc oui je crois qu'on était à plus de 540 la dernière fois qu'on avait regardé. Donc pas trop mal. Priori, on a des trucs en cours. Ok, si on fait ça, ça nous amène à quoi du coup?
Là, on a besoin de 50. Voilà, c'est très bien. Hop. Voilà, comme ça peut tourner. Bah, lui, on va prendre tout ça, hein, ça sera plus simple. Tac. Voilà. Donc là, maintenant, ça fait qu'on produit combien? On produit 5. Or, non, c'est pas ça que je voulais. Merci. Ça produit 2. Ok, donc on va décaler tout ça au moins d'un cran. Je suis pas en mode map. Ok. Ça dégrage. Pif. Je vais me le donner à moi, merci. Et là, on a envie de pouvoir faire tourner des trucs en plus. C'est bon, je suis complètement bloqué. Sinon, c'est pas drôle. Tac, voilà, on peut se vider un peu les poches. Ok, et là, ça ne branche pas parce que sinon, c'est pas marrant. Ok, donc là déjà, on devrait avoir un peu plus de production de carburant, donc c'est pas mal. On va peut-être aussi augmenter un peu la capacité de stockage. Parce que c'est vrai que ça permettrait de remplir plusieurs vaisseau d'un coup si on avait plus. Du coup, profitons-en. Et on va en profiter aussi pour refourguer tout ce carburant pour fusée, comme ça on sera tranquille. Voilà. Donc là, ça va pouvoir tourner, faire du stock en plus grande quantité et on devrait mieux s'en sortir. Donc maintenant, est-ce qu'on peut aller voir Ogdan avec tout ça? M'est avis que ça devrait être pas trop mal. Alors, ici, on a quoi? Ici, on est sur cette logique-là. Et donc, on veut que l'eau soit pleine à craquer. Donc là, on a quoi? On a 299. Ok, on n'a pas 300, mais bon, tant pis. Paf. Ok, donc là, normalement, on devrait être pas mal. 9000. On a plus de 100K. Alors oui, là, on voudra même... ok, non, on a que 100K. Bah ça, on va l'enlever en fait, je pense. Hop, pas besoin du tout. Voilà. Ça va se remplir gentiment. On va pouvoir aller chercher un peu plus. Parce que là, idéalement, on voudrait pouvoir faire l'aller-retour quand même. L'aller devrait pas nous coûter grand chose. Par contre, le retour risque de piquer un peu. Faudra voir si on peut le faire sans reproduire du carburant sur Ogdan. Parce que là, j'avoue que un peu la flemme. Mais ce serait une possibilité. Au pire, si je m'en s'en sors pas, on pourra toujours en faire sur place. Du coup, là, on a quoi? Ça met du temps à arriver. De toute façon, globalement, ça va être ce truc-là. Donc 490, a priori. Paf. Donc là, vous êtes sûr que vous voulez pas aller à Toulon, non? C'est relou. Bien, 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 bien. On peut faire un truc tellement beau, tellement propre, tellement carré. Okay. Et là, pour l'instant, ça va même pas mettre de check, en fait, j'ai envie de dire. Hop. Ici, bon, on va vouloir repartir que quand ça se sera vide, en fait. Hop. Ok. Donc ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Donc là on va vouloir un truc qui part quand on aura 3 checks. Ça c'est sûr. Ça garde quand même pour la forme. Hop. Et on va attendre patiemment que ça monte. Et on en est encore loin parce que... Oui, 490, on en est encore loin. Oui, je confirme. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une autre pompe quelque part pour que ça aille un peu plus vite? Parce que là, c'est horriblement lent. Hop, voilà. Et par contre, il faut très vite que je remonte dans le tuyau. Sinon, ça va pas bien se passer du tout. Hop! Est-ce que ça monte plus vite?
Pas l'air transcendant non plus, mais on va dire que c'est pas trop mal. Parce que là, normalement. Ah oui, non, mais c'est vraiment la production qui est en PLS toujours. Très bien, très bien, très bien. Décidément, la production de carburant, c'est pas ça, hein. À tous les coups, on n'a plus de pétrole léger. Si pourtant, donc non, c'est juste vraiment les quantités qui sont produites qui ne suffisent pas. Alors, du coup, là, on est capable de produire combien? 54. Ok, là, on peut gérer 50, du coup, pour produire 5. Et là, on est capable de consommer 4. Ok, donc c'est 1 par machine. Donc, on pourrait rajouter facilement une machine. Mais du coup, on voudrait probablement envoyer un peu plus. Ah, il y a eu des dégâts, mais j'ai pas vu où. Tant pis. On va éviter le vert tant qu'on n'aura pas terminé la partie vulcanite, forcément. Et le problème, c'est qu'on n'a plus assez de transport. Parce que ça peut transporter combien? 45 par minute. Ok, donc pas assez pour les 54. Et ensuite, si on va sur le niveau d'après, combien ça peut transporter? 64. Donc là, c'est un peu mieux. Donc déjà, on pourrait essayer de. Alors, je sais pas s'il en reste un peu dans les coffres, des trucs comme ça. Semblait qu'on en avait un petit peu au début en gratos, mais on l'a peut-être utilisé par-ci par-là. Et on pourra peut-être recycler un petit peu si on l'a utilisé quelque part. Voilà, typiquement ici, je pense qu'on n'aura vraiment pas besoin de cette quantité, de cette vitesse. Hop, on va plutôt faire ça. Voilà, ça va simplifier un petit peu et on a récupéré 30 convoyeurs super rapides. Ok, donc ça c'est bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la super méga chaudière là, allons-y, pourquoi pas. Ah oui, mais j'aurais pas de toute façon le truc. Donc, de toute façon, je suis eu à cause de ça. Ou alors, on met pas de balanceur du tout pour l'instant. Tant pis. Changera pas grand-chose. Et ça, donc, du coup, ça demande quoi? Bon, déjà, ça demande des recherches compliquées qui demandent la science d'après. Bon, très bien. De toute façon, on pourra pas le faire tout de suite. Il faudra retourner. Il faudra d'abord se procurer ce dernier métal pour après pouvoir le faire. Mais si on enlève ça, est-ce que j'ai de quoi tenir le coup? Parce que on aimerait bien que ça aille là, que ça fasse ça. Ok, avec un peu de chance, on va dire que ça peut être suffisant. Et là, déjà, toutes les machines devraient pouvoir tourner sans trop de problèmes. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup le cas parce qu'on a l'air de consommer que un côté, donc, et on s'est piffé quelque part. Non, problème sur Atina. On a bien dit que ça produit 54, ça. Donc on peut monter jusqu'à 64 techniquement si on veut. Toujours de quoi en faire une, sinon c'est pas drôle. Il faut des briques de pierre, s'il vous plaît. Je crois qu'on en faisait quelque part par là. Avant, oui, c'était là. Tout à fait. Hop. Voilà, comme ça on a un peu de stock. Là, normalement, on devrait être à beaucoup plus que 64, hein. En l'état, voilà, 74. Très bien. Bah, du coup, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ici, on a quoi? 72. Donc, toujours beaucoup trop. Paf. 67. Un peu trop. Et là, 65. Donc, je pense pas que je puisse en enlever un autre. On va repasser en dessous de 64, j'imagine. Ah non, 64 tout pile. Très bien. Ben voilà, donc ça c'est fait. Et donc là, on a dit que on pouvait en remettre un petit pour finir. Paf.
truc comme ça. Et on refait une usine. Parce que pourquoi pas. Du vaisseau qui se balade, ça c'est cool. Permet de faire ça. Donc ici, normalement, ça se remplit toujours pas. Ok, visiblement, c'est les bras qui arrivent pas à alimenter assez vite. Donc, on va mettre du verre comme ça. Ça devrait nous aider. Tac. Et là, normalement, on va être capable d'envoyer du très lourd. Toutes les machines devraient pouvoir tourner. Alors, très lourd, je sais pas. Non, bah, par contre, j'ai pas branché tout le monde, donc ça va pas envoyer grand-chose. Voilà, maintenant c'est mieux. Et là, toutes les machines devraient être capables de tourner sans aucun problème. Et du coup, on est capable de produire 6 de carburant pour fusée. Or, ça peut traiter 4. Donc, il va me refalloir le même truc que ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire hop, ça dégage. Non, pas moi, merci. Laissez-les se débrouiller tout seuls. Ils sont grands. Ils doivent savoir faire. Et il faut juste remettre ça comme ça. Et on a besoin de deux petites usines. Maintenant, ça devrait le faire. On devrait être au summum de notre production de carburant pour fusée. Ah, par contre, j'ai plus de moteur du tout. Ça, c'est un peu dommage. On va chercher un peu parce que sinon, ça va vraiment être la loose. C'était là-bas. C'est bien. Voilà, comme ça devrait me permettre de voir un peu venir. Des dégâts décidément, c'est que du panneau solaire donc ça devrait se réparer. Quoique sur Ogden, je sais pas. Maintenant, bon voilà, on va avoir un problème donc on va pas avoir trop de choix que de faire un truc un peu à l'arrache comme ceci. Voilà, et là normalement on devrait être pas mal niveau remplissage, bon, pas mal, je sais pas, mais. Ça devrait aller mieux. Du coup, vu l'heure de l'épisode, on va pas partir tout de suite, mais on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller essayer d'aider Ogden la prochaine fois et envoyer cette eau qui sera bien nécessaire pour augmenter la production de vulcanite. Et au passage, on verra si on booste pas un peu la prod de vulcanite tant qu'on y est. Ça fera pas de mal non plus, je pense. Mais bon, du coup, tout ça, on verra dans le prochain épisode. Du coup, bah, moi, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!